Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je ne serai pas dans la victimisation ni en me posant comme caméo. Simplement, mon propos sera plutôt satisfait des annonces du Premier ministre. Ensuite, on parlera un peu de la situation internationale. Et pour finir, un constat sur l'utilité d'intervention publique, qu'il ne faut pas confondre avec des jérémiades dans un hémicycle. La première satisfaction prudente a trait au fait que le Premier ministre a annoncé lors du congrès de l'Association des régions de France que les régions seraient désormais financées par une part de la TVA en lieu et place de la DGF. Il y a là une nouveauté intéressante qui ne règle pas le problème de l'autonomie fiscale des régions, encore moins les questions du pouvoir réglementaire, mais il faut tout de même acter qu'il y a dans cette annonce un tournant majeur et positif. C'est bien la première fois qu'un gouvernement lie le financement des régions à un impôt d'État dynamique. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé la collectivité corse de faire cette demande dès 2014 par les voix de M. Talamone et de Simeone. Le contexte politique est tel qu'il sera difficile de revenir en arrière sur cette avancée, et c'est tant mieux. Après tout, nombreux sont les pays européens dans lesquels les impôts sont équitablement répartis entre l'État régulateur qui remplit là une fonction régalienne d'égalité des territoires et les régions qui, elles, sont proches de la réalité diverse de leurs concitoyens. Ce faisant, la France entre dans le mouvement incontournable de la modernité européenne et de la démocratisation de son organisation territoriale. Pourtant, si à l'échelle française ce geste peut paraître audacieux, ce n'est qu'en réalité un début d'autonomie budgétaire des régions. Avant de pouvoir évaluer la portée de la mesure, il faudra connaître la part exacte de la TVA concernée, il faudra définir comment est calculée la territorialisation de la recette, il faudra savoir si un mécanisme de réelle péréquation est organisé entre régions riches et moins riches. Ensuite, la TVA est un impôt sur lequel les régions n'ont pas la main en termes de perception et de fixation des taux. Cette mesure ne contribue donc pas à leur autonomie, simplement à leur autonomie financière. Aussi, si vous voyez bien que cette annonce est un tournant dans les relations entre l'État et la région, nous ne pouvons que constater qu'une refonte du système fiscal français serait en fait une très bonne chose. La deuxième satisfaction vient de la réussite de la dernière manifestation en date pour la réunification de la Bretagne. Nous y étions en tant que conseillers régionaux régionalistes pour rappeler la conviction du Conseil régional de Bretagne, conviction portée par vous-même, Monsieur le Président, et aussi par votre prédécesseur, Éric Massiot, lorsqu'il déclarait dans sa lettre à la Bretagne de mai 2014, unifiée avec la Loire-Atlantique, forte de 4,5 millions d'habitants, de 3 métropoles complémentaires, de villes attractives, d'un tissu économique performant et cohérent, de puissantes capacités de recherche et d'enseignement supérieur, de la première façade maritime du continent bénéficiant, si on le veut, d'une organisation institutionnelle simplifiée et plus efficace, de compétences et de moyens renforcés, la Bretagne aurait évidemment toute sa place dans le concert des régions européennes et même au-delà. Mieux, elle serait plus peuplée que 8 des États membres de l'Union européenne ou que 11 des Landes allemands. Et cela ne l'empêcherait pas, bien au contraire, de renforcer et de démultiplier avec ses voisins les liens de coopération sur des sujets très nombreux, comme elle a toujours su le faire avec succès. Nous avons encore confiance dans une possibilité de résolution de ce contentieux territorial qui n'a que trop duré et qui interdit d'une certaine façon à notre région administrative d'intervenir directement dans la vente de STX par son propriétaire coréen actuel, alors que notre destin naval, maritime et portuaire est indissociable du destin de Saint-Nazaire. Dans le contexte international qui est le nôtre, nous espérons que la Bretagne restera une terre d'accueil. Nous parlons d'hommes, de femmes, d'enfants qui fuient les bombes, les armes chimiques, qui fuient les totalitarismes, qui fuient des horreurs que nous avons le bonheur de ne plus connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Face à cela, nous avons un devoir d'humanité. Un devoir d'humanité dont chacun doit prendre sa part. Monsieur le Président, je vous rejoins totalement sur vos inquiétudes à propos du Brexit. Vous le savez, les liens que nous avons avec la Grande-Bretagne, nous portons le même nom, puisque à une époque, les Bretons sont venus s'installer en Armorique, et que nous avons laissé d'autres nations celtiques, comme la Cornouaille ou le Pays de Galles, avec lesquelles nous avons des liens très forts. Le problème de l'Irlande se pose. L'Écosse, qui dernièrement a refusé de quitter le Royaume-Uni, va de nouveau poser la question aux Écossais, puisque ceux-ci ont voté massivement pour rester dans l'Europe. Alors, finalement, un certain nombre d'idées
sont peut-être trop fortes et finalement le nationalisme anglais est tout simplement en train de tuer le Royaume-Uni. Est-ce la fin des États-nations? Il est trop tôt pour le dire, mais il est sûr que nous avons à observer ce qui se passera et à prendre des mesures en conséquence, puisque cela nous impactera, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau économique. Alors pour terminer, je terminerai sur un constat positif, un constat qui doit nous faire réfléchir lui aussi sur les enjeux du débat public des mois qui viennent. Ce constat, c'est que l'action publique est nécessaire et utile pour nos territoires. Cette session va en faire la démonstration avec le point d'étape sur Bretagne-Très-Haut-Débit. Nous avons fait le choix, au contraire, d'une intervention publique très forte, très ambitieuse, pour que progressivement, ce soit tous les territoires de Bretagne qui soient concernés par la montée en débit numérique. Là aussi, cette action touche, cette fois pour les Bretons, la notion de vivre et travailler au pays, et pour nous, l'objectif de pouvoir décider au pays. Si nous étions remis à une seule logique libérale, l'État aurait confié les zones conventionnées aux opérateurs privés, soit 57% de la population concernée dans les métropoles et grosses agglomérations urbaines. Les 15% les plus rentables du territoire pour un investissement de 7 milliards d'euros, laissant à la charge des collectivités locales les 43% de la population vivant dans les territoires ruraux et les villes petites et moyennes pour un investissement public de 14 milliards d'euros au service des territoires. 240 000 prises optiques dans des villes moyennes comme Pleyrmel, Lamballe ou Redon. 50 000 foyers ou entreprises qui connaissent des montées en débit dans ce qui était avant des zones blanches en milieu rural. Ce sont des chiffres concrets de l'action publique, de services que nous devons aux Bretons, qui démontrent toute la vacuité et les inégalités produites de fait par les idées de laisser-faire ultralibéral. Trois idées que j'ai développées ici, à savoir une Bretagne plus autonome, une Bretagne qui doit se soucier de ses voisins également, qu'ils soient très loin ou qu'ils soient proches, et finalement l'action publique au service des territoires et des Bretons. C'est autre chose que des incantations, c'est du concret, et ça les Bretons le savent aussi. C'est certainement pour cela qu'ils nous ont donné la majorité et que nous sommes là aujourd'hui pour gouverner.